Tu sommes maintenant accompagné de Douglas Léopold, grand voyageur devant l'Éternel. Des projets de voyage, Douglas, bientôt? Je vais à British Columbia faire du ski à fin avril, où je vais chaque année faire des grands bateaux. Et fin mai, je m'en vais en Italie voir ma famille et faire une petite tournée avec des amis, avec Marie Lirette d'ailleurs. Et le fin de mois de juin, on s'en va en Grèce. Avec tous mes autres amis, les journalistes, des gens dans le mode, etc. Et c'est déjà pas mal. On a décidé d'aller à Southampton, Long Island, au mois de juillet. Hein. C'est déjà 4 mois d'avance, c'est déjà pas mal. Douglas Léopold, est-ce qu'il y a un autre nom que patineur qu'on pourrait être relégué? Relégué, chroniqueur ou observateur sociologique ou grand brasseur de merde. Ou surtout, je crois, quelqu'un qui... Patineur, c'est un drôle de terme, mais je crois que c'est surtout qu'on dit aux États-Unis columnist, entertainment columnist, quelque chose du genre, chroniqueur, peut-être. Combien d'années tu fais maintenant partie de l'équipe, ça, c'est KMF? Ça fait 5 ans, mais avant ça, j'étais quand même à la Gazette, au Montreal Star. Je faisais de la télévision communautaire au début, le câble, etc. Et puis, c'est pas ça que ce que je voulais faire pour un truc éventuel, mais quand même, j'étais directeur de la Place des Arts, le Centre national des arts, l'Orchestre symphonique de Montréal, Bel Téléphone, l'Opéra, l'Orchestre symphonique, McGill, Place Bonaventure, Régine, Castel, 1234. J'en ai fait beaucoup de choses avant d'arriver. Alors, les gens pensent que tu tombes du ciel, mais ce n'est pas vrai. Tu peux continuer, je vais juste dire à tout le monde d'attendre. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. OK? C'est toujours comme ça, les lignes de madame? C'est rien. Je n'ai même pas commencé à donner des cadeaux. Tu vas voir dans 2 secondes si tu veux filmer un phénomène où on a peut-être 300 appels à l'heure ou peut-être plus des fois. Et je les prenne. La dernière fois, tu étais venu faire un petit tour à la Bourgade de Lyon. Je pense que tu as eu une aventure avec la police. Non, moi, j'étais pas là. Je sais qu'il y a eu des histoires après, 2-3 semaines après, et j'aime beaucoup la Bourgade. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas continué. Bouge pas. Le tralala, ce qu'on faisait les vendredis soirs, parce que c'était plein, c'est vraiment oui, dommage. Oui, mais tu avais eu un billet, je pense, de vitesse, hein? Ah oui, 120 dollars. Not nice, Coco. Not nice. Mais je m'en vais même, mais ça me dérange pas si tu veux. OK, on va finir ça, là. Oh, 2000 piastres, là. Il fait beau aujourd'hui, plus ou moins. I don't know. Yeah, un peu de soleil. Et puis, on a un horaire très chargé aujourd'hui. On va commencer avec l'émission, comme d'habitude, Coco, seulement depuis 5 ans. Je vais donner un souper jeudi soir pour fêter ça. Et après, on s'en va vite à Grèce. Je vais prendre mon smoking et à mousseline, piquer le blouson en cuir, stressé. C'est moi qui ai stressé, le blouson aussi. Après, éventuellement, on va se diriger vers la métropole, 2 fois aujourd'hui, pour faire 2 émissions. Entre ça, on va aller voir Lorraine Beauchamp à Abacus à 5h, mais je vais arriver à 6h parce qu'il y a l'émission à 6h avec Mr. Aubrey, comme d'habitude. Et après, on va courailler à la maison pour garder les Oscars. Coco's going to be up and running all day long. Et il y a toute une semaine aussi qui est assez intéressante. Les minutes que je trouve mon horaire, I'll tell you what it is. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi est-ce qu'il y a de très bons skis pour... Ne bouge pas. Oui. Hi. I'm okay. Tomorrow night for supper. Hold on a minute. Wednesday, Tuesday. Yeah, I won't go to the kickboxing. Tomorrow night for supper, let's go. Where do you like to go? OK, Douglas, je vois que tu as eu à peu près une quarantaine d'appels et ça n'a pas fini de rentrer. Là. C'est comme ça, à chaque fois, c'est un concours? Oui, mais c'est comme ça normalement tout le temps. Mais ça, à 11h, c'est tranquille. C'est juste vers 11h30, midi moins le quart, quand les gens ont des questions pour moi. Et puis, bouge pas, Coco. Ne bouge pas. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais il y a vraiment, quand tu donnes des trucs insensés, des concours. Mais ça, c'est à cause des sondages et des BBM et tout ça. C'est vraiment dommage qu'on est obligé de faire maintenant la moitié de l'année des sondages. Mais c'est comme ça. Ah, mais ça met un petit peu de chat.